Fort Yassimbe a été mandaté pour rétablir le dialogue entre Assimi Goïta et Alassane Ouattara. On a demandé à Fort Yassimbe de rétablir le contact entre Assimi Goïta et Alassane Ouattara. Maintenant, si vous voulez connaître les rouages, tout ce qui est dedans, hein, si vous voulez tout connaître, restez connecté. Faites monter le mercure et partagez, partagez et partagez. Faites monter le mercure et partagez. Partagez, oui, faites monter le mercure. C'est pas ça? Hein? Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. On va casser encore les papous. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Fort Yassimbe. Eh? C'est bon? Allez, faites monter le mercure. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma page, abonnez-vous à ma page. C'est Cheikh Oumar Keïta Facebook et Keïta Cheikh Oumar YouTube. Fort Yassimbe doit négocier avec Alassane Ouattara pour rétablir le dialogue entre le président Goïta et le dictateur Alassane Dramane Ouattara. Maintenant, nous allons décortiquer de quoi est-ce qu'il est question. Après le sommet de la CEDEAO, où il a été question de lever les sanctions, vous connaissez très bien de quelles sanctions il s'agit, où il a été question de lever toutes les sanctions, il faut trouver un mécanisme. Merci beaucoup, Youssouf Diallo. Il faut trouver un mécanisme. Et ce mécanisme-là, c'est le mécanisme pour rétablir le contact au plus haut niveau. Vu que entre le président Ouattara et les présidents des trois pays de l'Alliance, le torchon brûle, on ne se comprend pas, on ne s'écoute pas. Maintenant, pourquoi ce Fort Yassimbe, je dis bien pourquoi ce Fort Yassimbe qui doit intervenir? Pour la simple bonne raison que nous avons nos trois présidents. D'abord, le Togo sert aujourd'hui de port d'entrée aussi bien pour le Burkina, le Mali et le Niger par rapport à nos denrées, par rapport aux produits de première nécessité, par rapport à l'approvisionnement de nos différents marchés. Donc, le Togo est un port. Dans tous les cas, comme le capitaine l'a dit, ce n'est pas gratuit, nous payons. Deuxièmement, Fort Yassimbe, il s'est montré plus ou moins compréhensible par rapport à certaines sanctions et n'a pas voulu. Contre le Mali, il l'a fait, mais contre le Niger, il n'a pas accepté. Et on s'est dit que Fort Yassimbe, il a pu avoir un capital de confiance entre les autorités du Liptako Gourmand et certains présidents de la CEDEAO, sinon de la CEDEAO elle-même. Alors, nous demandons au président Assimi Goïta de faire beaucoup attention et de ne pas tomber dans le piège, je répète, de ne pas tomber dans le piège du président Fort Yassimbe Yadema. Je le répète, nous ne devons pas tomber dans le piège du président Fort Yassimbe Yadema. Fort aujourd'hui, il se place en négociateur. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais à quoi vont aboutir ces négociations?
Vous vous rappelez le dimanche, hier, je n'ai pas fait d'intervention. Le dimanche, j'ai fait deux interventions, une dans la voiture et puis la deuxième intervention à la maison. Et j'avais dit, lors de cette intervention, qu'est-ce que j'avais dit? J'ai dit que aujourd'hui, la CEDEAO a demandé, un, à l'Union africaine d'intervenir pour ne pas que les trois pays mettent en exécution leur décision que nous appelons de décision irréversible. Ce n'est pas seulement l'Union africaine. Ils ont demandé aux Nations unies d'envoyer des émissaires passés par tous les moyens. Et la CEDEAO est allée plus loin, a demandé à des guides religieux, à des acteurs de la société civile, à des présidents de s'impliquer pour que nous, on ne parte pas. Une relation est toujours basée, une relation, une organisation, une entente est toujours basée sur la réciprocité. Je gagne en intérêt, en retour, vous aussi, vous gagnez en intérêt. Personne ne rentre dans une relation pour qu'elle soit dominée, pour que l'autre gagne. Mais vous rentrez dans une relation pour qu'il y ait ce qu'on appelle gagnant-gagnant. Nous sommes dans une relation, et d'ailleurs, le capitaine l'a très bien dit. Et puis, la CEDEAO est revenue là-dessus. Quand tu regardes les volumes des échanges au niveau de la CEDEAO, ça dépasse même pas les 10% entre les États. Ça dépasse même pas 10%. Donc, en réalité, au sein de la CEDEAO, on bénéficie absolument de rien. Quand le Mali consomme 300, 400 000 tonnes de sucre par an, même pas un gramme ne vient d'un pays de la CEDEAO. Tout vient du Brésil. Voilà la triste réalité. Le riz parfumé, si on consomme 500 000 tonnes de riz par an, même pas un grain de riz ne vient d'un pays de la CEDEAO. Si ça ne vient pas du Pakistan, ça vient de la Chine ou ça vient de l'Inde. Donc, quand vous regardez les échanges, c'est la Côte d'Ivoire seule qui donne des intrants par moment. Il y a des entreprises d'engrais en Côte d'Ivoire qui vendent aux Maliens. À des Maliens, pas tous les Maliens, à des Maliens. Et même cela encore, ils n'arrivent même pas à couvrir le besoin national. C'est juste une petite partie. Donc, quand vous regardez ce qu'on appelle la balance entre la Côte d'Ivoire et le Mali, la balance est déficitaire du côté du Mali. C'est le Mali qui paie. C'est le Mali qui dépense plus. On dépense plus au port d'Abidjan, on dépense plus à travers les huiles qu'on achète. Au moins, il faut avoir le courage de le reconnaître. L'huile sans faire de publicité, l'huile du Nord, par exemple. Et ce n'est pas seulement le Mali. Hein. L'huile du Nord va un peu partout au Sénégal, Burkina, Guinée, tout le monde. Donc, c'est un peu. OK? Donc, à ce niveau-là, quand vous regardez, nous sommes toujours perdants. La seule chose que nous faisons sortir, ce sont des produits bruts. Et c'est ce que nous avons décidé d'arrêter au niveau d'abord, on a commencé avec l'or. Le Niger a commencé la production et la transformation du pétrole. Nous, c'est avec l'or. Ce n'est pas seulement l'or, il y a bien d'autres éléments encore que nous allons commencer à transformer chez nous. Donc, quand vous regardez au niveau de la CEDEAO, quand on parle de la circulation des biens, de quels biens on nous parle? Est-ce que vous croyez que quand nos marchandises arrivent au port de Lomé, nous ne payons pas, on paye? Quand ça arrive au port d'Accra, on paye? Quand ça arrive au port du Bénin, on paye. Quand ça arrive au port d'Abidjan, on paye. Quand ça arrive au port du Sénégal, on paye. Alors, dites-nous, quelle est la faveur que la CEDEAO nous fait à ce niveau? Rien. Donc, sur le plan commercial, le traité ou le protocole de la CEDEAO, ça ne marche pas pour aucun des trois pays. Tous les trois pays sont déficitaires. C'est une certitude. Donc, maintenant, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on gagne? C'est l'huile, c'est pas ça? S'ils veulent augmenter l'huile, c'est à leur problème. C'est eux que ça regarde. On ira chercher ailleurs. Je dis bien, on ira chercher ailleurs. Et d'ailleurs, le Mali produit l'huile, mais pas en quantité. Et la production artisanale est beaucoup plus. Donc, le gouvernement a décidé de prendre en main un certain nombre de secteurs pour faire la production industrielle. Donc, rendre l'huile plus compétitive, plus intéressante, et puis le produire en grande quantité. Donc, quand vous regardez tout ça, je vous permets de comprendre tout ça avant de venir à Fort Yassimé. Donc, quand vous regardez tout ça, quand vous comprenez tout ça, alors, vous n'avez pas besoin de pleurer ou de crier
parce que la réalité, elle est ailleurs. On veut nous faire croire qu'en sortant de la CEDEAO, toutes les portes nous seront fermées. Mais je vous ramène à Alassane Ouattara qui a envoyé à plusieurs reprises, il a envoyé des missions et des missions. À l'époque, je me rappelle, les autres ne voyaient pas trop, mais c'est après mes interventions que les gens sortaient après moi parce qu'ils n'arrivaient pas à savoir où, par exemple, je vais piocher mes informations. Voilà. Et quand j'ai tapé, nous, on est resté dans notre petit coin. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui a couru pour venir après nous. Mais c'est le même scénario qu'on a vu avec le Bénin. C'est le Bénin qui a couru et le président lui-même, il a dit, les sanctions ne sont pas faites pour durer. C'est ce que Patrice Talon a démontré en minimisant. Il fait croire que c'est le peuple nigérien qui souffre peu, plus. Mais c'est faux. J'ai écouté une émission de Vox Africa, je crois. Ils sont allés au Bénin et les posés. Mais nous, les Béninois, nous souffrons plus aujourd'hui que les Nigériens. Parce qu'il y a combien d'activités, combien de Béninois vivaient de petits commerces, de petites entreprises au port de Cotonou. Combien de Béninois, combien de familles vivaient par rapport au port du Bénin. Donc quand vous sortez, et puis vous balayez de la main, du réveil de la main, la souffrance du peuple béninois, et puis vous voulez nous faire croire que c'est parce que vous nous aimez, alors que vous avez déployé à l'époque vos soldats à la frontière, de quoi est-ce que vous parlez? Alors, vu que c'est le Togo seul, maintenant je viens au Togo, vu que c'est le Togo seul qui a refusé de fermer sa frontière et son port, donc on veut que le Togo... Alors donc, on veut actionner Fort Yassigbé pour que Fort Yassigbé vienne intervenir auprès d'Assimi Goïta. Mais la question que nous, on se pose, Fort Yassigbé viendra nous dire quoi? Donc, monsieur le président Assimi Goïta, nous avons appris, j'ai appris avec certitude et vérité absolue, que Fort Yassigbé entreprendra très prochainement des visites. Il viendra vous voir, discuter avec vous. On n'est pas contre une médiation. Mais nous savons aussi que le président Assimi Goïta est un président qui reste droit dans ses bottes. Mais le peuple malien a besoin de savoir. Vous ne pourrez pas dire pourquoi le président a reçu Fort Yassigbé et pourquoi il est venu. Monsieur le président, il faut que cela soit clair. C'est une médiation de désespoir, 1. C'est une médiation de tromperie, 2. C'est une médiation de distraction, 3. C'est une médiation pour vous manipuler, 4. Parce qu'ils savent pourquoi c'est Assimi Goïta dans l'AES qui est visé dans cette histoire. Parce que c'est le Mali qui a été mandaté de construire l'ossature et la communication de la Confédération. Puisque le Mali lui-même, avant les indépendances, et juste après, il y avait ce qu'on appelle la Fédération du Mali. Dans le Mali, est habitué à ce genre de choses. Et le Mali, c'est le pays où toujours les grandes décisions, les grandes rencontres, c'est toujours au Mali que naissent les combats panafricains les plus méritants. En Bénin, voir Assimi Goïta, c'est comme si on lui dit, il faut mettre bas la terre, attendez d'abord pour voir ce que les négociations vont donner avant de continuer avec le projet de création de la Confédération.